Bonjour à tous et bienvenue sur Le Billard en Images sur la Web TV en direct. Vous êtes aujourd'hui avec nous sur le tournoi régional numéro 5 de Saint-Brice-en-Cogle où nous allons dérouler une finale avec qui va opposer Romuald Guillou de Quimper à Cédric Lebon. Cédric Lebon, j'ai un trou, de Rennes, de mon club en plus. Alors, Jérôme Châtel n'est pas à mes côtés aujourd'hui, donc je suis accompagné d'Aurélien Crété à ma gauche, qui nous vient de Kawenek. Bonjour Aurélien. Bonjour Jean-Michel. Et de Stéphane Costiou de Quimper, qui connaît très bien un des deux finalistes et qui va sûrement nous donner quelques détails très croustillants. Donc nous allons lancer cette finale. Bonjour Jean-Michel. Bienvenue à tous et bienvenue sur Le Billard en Images pour ce direct. À l'issue de la journée d'hier, deux joueurs se sont qualifiés pour notre finale qui se déroulera en 5 manches gagnantes. Donc je vous demande d'accueillir chaleureusement le premier des finalistes. Son équipe est actuellement leader du championnat par équipe de L3 à la fin des matchs allés. Merci d'accueillir chaleureusement Cédric Lebon. Et donc il sera affronté à un autre joueur qu'on a l'habitude de voir de temps en temps dans les carrés finaux. Merci d'accueillir Romuald Guillou de Quimper. De zone Thibaut Thomas et un arbitre de temps Catherine Bonza. Bon match à vous. Donc c'est parti pour cette finale. Donc je rappelle, distance de jeu, 5 manches gagnantes, arbitrage avec la règle de la minute. Et puis voilà, on a à peu près tout dit. Donc on pourrait parler peut-être de nos protagonistes. Donc Stu, si tu as un petit mot à nous dire sur Romuald, sur son parcours, sur ce qu'il est pour le billard. Effectivement, je le connais très bien, puisque non seulement c'est un coéquipier d'équipe, mais depuis des années, mais c'est aussi un ami, hein, puisqu'on se voit hors dehors, on va dire, des tournois. C'est sa deuxième finale cette année, mine 2. Ça commence à compter, sachant que Patrice Séguin l'a fait quand même avant le tournoi d'aujourd'hui, 4 finales, donc 4 gagnées. Donc 2 finales pour Romu. En toute honnêteté, moi, en début de saison, je l'avais mis déjà dans le top 3, parce que je savais qu'il commençait à revenir dans le billard et que je l'avais vu jouer. Il joue vraiment très, très, très bien. Donc, je ne suis pas étonné de le voir là et je suis content pour lui. Même si c'est lui qui t'a sorti hier. Oui, bah ça, après, forcément, quand on se joue entre amis, entre coéquipiers, après, il y en a un qui passe. Il a mieux joué que moi, donc... j'espère pour lui que du coup, il ira au bout. Hein. Oui, il a fait un gros tournoi hier. Hein. Ouais. Il était très solide. Donc un petit mot pour moi, pour Cédric, hein, parce que je ne sais pas, c'est peut-être moi qui le connais le mieux, donc il fait partie de mon club. Hein, moi, c'est le frère de Gwendal, que tout le monde connaît, puisqu'il fait partie du Black Ball Master donc sur les nationaux. Cédric a déjà fait une finale l'année dernière au premier tournoi régional de la saison face à Kevin Lejar. C'est Kevin qui l'avait emporté, donc c'est sa deuxième finale en 2 années. C'est un très bon résultat, parce qu'il est encore tout jeune, je ne sais plus, il doit avoir 24 ans à peu près. C'est un excellent partenaire d'équipe. J'ai eu l'occasion de disputer 2 fois les championnats de France à l'UQ en équipe. Ça a été un vrai plaisir de jouer avec ce gars-là. Super gentil, super appliqué et très respectueux de son adversaire. Donc je pense qu'on devra déjà on va avoir une finale avec 2 adversaires qui vont se respecter, qui ont des attitudes irréprochables et qui vont avoir à cœur de bien faire. Espérons simplement que la pression ne prenne pas le dessus. Ouais, c'est vrai que comme tu dis Jean-Mi, la pression d'une finale, c'est toujours. Je crois que quel que soit le joueur, à part bon, certains super habitués, mais c'est pas facile à appréhender. Et puis Cédric là qui a confirmé rouge là. Bon, oui. La table est pas évidente. Alors on a une vue qui est pas très haute là sur notre écran. Ah voilà, parfait, ça c'est parfait, merci. Un petit bonjour à notre technicien de pointe Frédéric Lou, toujours présent sur les tournois régionaux et qu'on voit aujourd'hui sur les tournois nationaux qui accompagne le billard en images. Et qui est toujours présent et c'est mais un grand merci à Fred hein, parce que depuis 5-6 ans qu'on bosse ensemble maintenant. Il fait partie de ces bénévoles qui ont fait beaucoup avancer les choses, notamment sur tous les aspects techniques, logistiques. Donc merci à toi Fred. Alors je ne sais pas si les deux rouges milieu, s'il y a possibilité de faire le train ou pas, difficile de voir d'ici. Je ne pense pas qu'il y ait possibilité de faire le train. Là il y a une belle difficulté je pense. Il va
peut arriver à la jouer au fond et décaler et la décaler jaune. Et décaler la jaune, ça c'est peut-être jouable, ouais. Donc il faut la bonne dominante et une bonne visée derrière. Il est peut-être un peu trop droit. Il se retrouve droit, ouais. Il est droit. Il est droit, ouais. Donc, c'est pas idéal. Je sais pas si la jaune, la rouge peut rentrer au milieu en avançant un petit peu la blanche, en jouant la rouge tout au fond. Ça a l'air compliqué. Hein. J'ai l'impression qu'il touche la jaune avant si... Et c'est vrai que, donc, ouais. Qu'il rate cette bille. Ah, c'était compliqué. Bah, c'était compliqué. C'est vrai que s'il avait eu la bonne dominante, déjà, ça lui donnait une chance. Et encore, c'était pas fait pour autant. Donc, mais bon, en tout cas, il est rentré dans le match. Il a montré quelque chose déjà. Et puis, on peut penser qu'il est quand même à ce qu'il fait. Quoi. Maintenant, on va voir avec Romuald. Avec une table qui est pas évidente, donc lui à jaune. Hein, parce que cette rouge qui enquiquine Cédric est aussi un obstacle pour... Oui. Pour Romuald. Et puis là, il a un chevalet compliqué. Alors là, c'est vrai qu'il joue le coup la bande. Il joue le coup d'attente. Hein. Je pense pas son but ultime était de la rentrer. Il sait qu'il a une table compliquée derrière et que la rouge de Cédric, là, en plein milieu, l'embête aussi. Donc, comme il a plus de billes sur la table, il attend. Oui, et puis il laisse rien à Cédric. Alors Cédric, il fait quoi? Il place sa rouge et pour voilà. Jouer, c'est pas mal joué. C'est un coup d'attente. Ouais. C'est pas mal joué, parce que les deux jaunes en quinconce, là, sont vraiment pénibles à jouer, là, pour le coup. Bon, c'est quand même plus Romuald qui a la main sur la table, dans l'état là, de la table, quand même. Parce que les rouges de Cédric, il a une rouge... elles peuvent être faciles, à condition d'avoir un bloc au bon endroit. Il peut se bloquer en faisant bande, décoller sa jaune et rester derrière l'autre. Voilà, c'est ce qui c'est bien joué. Ouais. Donc il est snooké total. Donc dans tous les cas, on peut penser que derrière, Romuald va tenter d'attaquer avec une table qui n'est pas faite encore derrière. Avec un longé de bande, avec deux billes en haut, deux billes jaunes en haut à droite qui se gênent. Il est obligé d'empocher celle qui est en poche. Il y aura un peu de travail. Un petit peu de... Mais elle sera jouable. Elle sera jouable. Sauf si Cédric arrive à faire un superbe coup. Je pense qu'il tente la bille. Ah. Il flotte. Double faute. Double faute. 4 visites. Double faute. Et donc tu nous expliques la règle en cas de double faute, alors Aurélien. Alors je sais pas. on va inventer une nouvelle règle. Là, ça va faciliter la tâche quand même. Enfin, ça facilite la tâche, mais il a toujours une bille en longée de bande, là, qu'on n'aime jamais beaucoup jouer. Hein, pour c'est vrai, mais il a une bille de rappel quand même de l'autre côté, donc c'est une bille qui ne sera pas obligé de forcer. Alors, quel choix? Qui fait le choix de faire un coup de carambole pour décoller les deux billes, hein. Voilà, bien, très bien. Et qu'il fait très bien, très bien réalisé. Ça tombe, ça va, parce que quand ça tombe et que c'est pas voulu, des fois ça pose plus de problèmes qu'autre chose, mais là pour le coup il a une bille jaune en bas qui lui donne une ouverture derrière. Donc il est bien. Attention au groupe de jaunes en haut à droite, les trois jaunes là, bien gérés. Là. Enfin, je vois ça comme ça, la difficulté je la vois ici maintenant. Belle bille de Romuald, très appliquée. Écoute, s'il est sur la même foulée qu'hier, il était bien dans son jeu quand même. Hein. Il a eu un huitième de finale assez compliqué quand même contre Ali Sultani, puisqu'ils ont été à la belle. Ça s'est joué à peu de choses, mais il a été expéditif en demi-finale. Il a excellemment bien joué en demi-finale. Ah oui. Contre Thomas Louboutin, qui avait fait un super parcours aussi. Ouais, d'ailleurs, Thomas je tiens, qu'il faut féliciter, hein, justement, je tenais à le féliciter voilà, pour son parcours, parce qu'il a quand même sorti Cyril l'oncle, Franck Le Tinevez. Oui, et puis le suivant a été terrible. Jean-Michel Delamarche également, donc il t'a sorti également. C'est qui le monsieur qui est à côté de nous. Ah là, il se met, Romu se met par-dessus la rouge, il n'est pas au meilleur endroit. Thomas a fait des matchs solides et ouais. Il
il gagne en maturité et de manière énorme en ce moment. Il a quel âge Thomas? Il a 19 ans maintenant. 18 ans, il doit toujours 18 ans je crois. 17-18 ans. Ah, le cheval est très compliqué là. La visée est dure. Ouais. Elle était compliquée. Ouais. Ouais. Et puis là en plus, il livre la table. Si jamais il revoit la table, ces deux jaunes ne sont vraiment pas à la fête là. Tout ça pour une histoire de chevalet. Quoi. Je pense que s'il la revoit déjà, il sera assez content. Oui. Vu les rouges, oui. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Juste à bien se replacer. Alors c'est là qu'il faut bien la jouer celle-ci. Alors soit il fait une replace en jouant rouge, finit pour replacer milieu. Il y a énormément de marche quand même, je pense que. Ouais. Attention à pas trop s'écarter. Connaissant Cédric, ça ne devrait pas poser de soucis. A priori, il se replace souvent pour le milieu, je pense. Ça donne plus de marge milieu. Parce qu'il est fin quand même, hein, effectivement. Donc, Il fallait pas qu'il soit beaucoup plus fort quand même. C'est ça, non. Ouais, c'était piégeux. Ouais. Ça fallait pas que, je pensais qu'il pouvait la prendre beaucoup plus fine pour remonter plus droit. Ouais. Je pensais aussi, oui. Alors peut-être qu'il a pris un peu pleine, donc il pouvait faire mieux. Hein. Parce que ça remplace là. Du coup, il va être obligé de tourner autour, je pense. Il tourne en deux bandes, trois bandes. Je pense que ça le fait bien. A priori, pour l'argent dans le même trou. Même trou, fond, quoi, s'il est court. C'est l'une des options. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien joué. Il est parfait. Il est presque parfait. Ouais. Là, c'est très bien joué. Et s'il avait été court, il pouvait jouer au fond. Voilà. Donc 1-0 pour Cédric qui démarre. Puisqu'il a gagné, on va rappeler ses résultats alors à Cédric. Hein, en demi-finale, Cédric s'est imposé face à. Alors je suis en train de consulter les résultats sur internet pour tous ceux qui veulent le savoir. Vous allez sur bap.ffbsportif.com et vous allez dans le menu résultats. Ensuite, en 8e de finale, il s'est imposé face à Cyril Richard de Douarnenez sur un score de 5-2. Et en 16e de finale, donc premier tour de TSA, je le cherche dans ton tableau, Cédric s'est imposé face à Nicolas Bernard de Play l'Intrigue à vous sur le score de 5-3. Voilà pour lui. On peut peut-être donner les résultats du coup de Romuald le temps que le choix de la couleur se détermine. Donc Romuald Guillou s'est imposé face à Thomas Louboutin, on l'a dit tout à l'heure, sur un score de 5-0. Donc Stouff nous a dit tout à l'heure qu'il avait fait une excellente demi-finale. En quart de finale, il s'est imposé donc face à Stéphane Costiou, donc sur le score de 5-2. En huitième de finale, face à. Je le cherche, il est en bas, il est. Voilà, donc face à Ali, donc Ali Sultani de mon club à Rennes, sur le score de 5-4, donc à la belle, c'était vraiment serré sur ce match-là. Et en 16e de finale, il s'est imposé face à. Il doit être par là, je le cherche, merci. Ah, il tactile mon écran. Ah oui, tactile. 5-1 face à Alexandre Vaillant. Morgan Guillou. Non, c'est Alexandre Vaillant. Non, Alexandre Vaillant, pardon. Alexandre Vaillant, 5-1. Voilà, absolument. Donc c'est vrai qu'il a confirmé les rouges. Ouais, une belle table rouge. Une belle table. Il y a des choses à faire. Une table jaune aussi, mais rouge, c'est un bon choix, dans le sens. Hein. Il y a des choses. Il y a une chose à faire, en fait, hein, je crois. Il y a une seule chose à faire. Fermer. C'est exactement ça. C'est le plus compliqué. Quand on a une table comme ça, le plus difficile, c'est de dire qu'on n'a pas le droit de la rater. Surtout. Mais, parce qu'elle est très ouverte. Il n'y a pas de dégage, il n'y a pas de billoband. Il y a une noire qui passe que d'un côté, attention quand même. Enfin, je crois que d'un côté, je ne suis même pas sûr. Ça se trouve, ça passe des deux côtés d'ailleurs. Oui, ouais, enfin, puis ici, on ne voit pas, mais c'est possible qu'elle passe des deux côtés. Alors ça, c'est un point important, ça. Il remonte milieu. Bah, voilà. Il le relise bien. Ouais, c'est bien.
Il est très très bien. Bon, là, tout dépend comment il va négocier ses 3 billes. Là, mais... ah, j'aurais tendance à jouer la bille en poche milieu et après milieu. Jouer la diagonale au, oui. En haut à gauche. Et, après, fond, et le fond ensuite. Fond, voilà. Ouais, c'est ça, tout à fait. On est assez d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on a raison? Alors ça, c'est pas sûr. Ouais, c'est bien. Alors, c'est un ordre logique où la blanche va pas faire beaucoup de voyages, donc c'est assez sûr. Maintenant, après, on n'est jamais à l'abri de rater, mais je pense que dans la logique, alors après, c'est où est-ce comme qu'il ça. Va jouer la rouge qui est à droite? Est-ce qu'il va la jouer dans la poche en bas à droite ou est-ce qu'il va la jouer dans la poche milieu? Je dirais poche en bas à droite plutôt, mais là, en faisant un petit retour. Il faut éviter de se mettre le chevalet sur la jaune et à partir de ce moment-là, il sera bien. Il faut qu'il ait 15 cm. Quoi. Et il est court. Il est un peu court. Et il a un chevalet. Du coup, il a un chevalet. C'est ça. Ça reste jouable, mais du coup, c'est un petit peu plus dur. C'est une difficulté dont on n'a pas besoin. Surtout qu'elle est facile à éviter. Là, effectivement, elle était court. Quoi. À la limite, il aurait mieux valu qu'il joue. Du coup, il va sans doute la jouer un petit peu doucement. Donc, il va sans doute venir coller la blanche sur la bande. Donc, s'il rentre après, ça va lui donner encore une... peut-être une difficulté sur la replace. Là. Ouais, le chevalet est pas facile. Toujours compliqué un chevalet. Ah, ouais. Et ça, elle est bien posée. Et ça, il fallait pas la jouer plus fort. Et là, il a effectivement blanche collée bande. Cette fois-ci, c'est la blanche collée bande. Alors, quelle dominante par rapport à la noire? Ah ouais, c'est pas simple. Peut-être jouer la noire milieu du coup d'ailleurs. Ouais, ça, a priori, il la poserait, puis il a joué la joue en bas à droite. C'est ce qu'il a l'air de regarder, en tout cas. Ouais. Alors moi, poser, oh, la claque, ça, sinon, la claquant un petit peu en carreau, ah, mais il est un peu dangle, je pense que c'est de jouer. Collé-bande, c'est pas forcément simple. Ouais, je préfère claquer que jouer à mourir en collé-bande, bizarrement, parce que j'ai toujours on accroche toujours un peu, on caresse un peu la bande, et là, ça tombe pas. Ouais, il a essayé de tricher, je pense. Ouais, ah, faut pas tricher au billard. Faut jamais tricher. C'est vrai. Eh bien, belle table à jaune. Hein. La seule difficulté, c'est la jaune qui est près de la rouge, pour moi. Et peut-être qu'il peut la jouer tout de suite. S'il la joue tout de suite et qu'il la tombe derrière. Mais s'il la tombe, elle n'est pas facile à viser. Quand même. C'est le souci, il faut qu'il la tombe. S'il la joue, il faut qu'il la tombe. Donc il va essayer de se mettre mieux, peut-être. Mais de toute façon, il va attaquer, ça, c'est sûr. J'aurais peut-être joué, hein. J'ai vu une vue, on voyait mieux, j'aurais peut-être joué. Il va peut-être bien y aller maintenant. Mais du coup, il peut peut-être se mettre. Il a vu qu'il pouvait se mettre encore mieux que dans la position où il était initialement. Et je ne sais pas s'il est bien pour le faire maintenant. Je pense qu'il a un peu trop d'angle. Sur la bille milieu, hein, je parle. Il m'a l'air pas mal pour le milieu. En jouant milieu, revenir sur la rouge. Là. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'est bien pas sur rouge justement. Je pense qu'il vient 10 cm au-delà. Il va essayer de se donner un petit peu moins d'angle. Pour moi, il y avait un tout petit peu trop d'angle. Il arrive à jouer en haut peut-être après. Il le laisse voir sa rouge. Un petit raté là de. Donc là c'est vrai que c'est le moment où il faut être lucide et. Faut être très lucide parce qu'il est finesse rouge, faut arrêter la manche là. Ça paraît pas compliqué, mais. Ah non, mais là ça c'est compliqué. Il faut maîtriser sa manche. Je pense que t'en penses, toi, tout, ah mais... c'est des coups qui sont vraiment pas faciles à jouer. À doser, c'est mortel et ça part tout de suite, la blanche elle file tout de suite. Hein. T'as vite fait de te retrouver aux trois quarts du billard là-haut. Et à prendre trop de billes, il risque d'accrocher jaune, enfin bon. Il peut pas prendre trop de billes, sinon il tombe pas de toute façon, là, vu comment elle est. Allez, prends trop de billes. Trop de billes. Ouais. Ah, c'était pas, c'était pas évident. C'était pas évident. Non, elle est pas simple. Hein. Il se sent très bien parce qu'il laisse rien. Il laisse rien, mais du coup, Romu va faire un coup d'attente et c'est vrai que. Je pense que Cédric devrait se retrouver dans une position, mauvaise position. Après. On met qui a juste celle du milieu. Hein. Celle du milieu, pleine. Est-ce qu'il la voit pleine? Oui. Ouais, c'est ça, il fallait faire gaffe à la blanche quand même. Hein.
Non, pas simple pour Cédric là. Oh bah écoute, dans ces cas-là, hein, tu fermes les yeux. De toute façon, il faut qu'il prenne sa chance maintenant. Hein. Je pense que ça sert à rien de faire une espèce de coup d'attente qui sert à pas grand-chose. Il faut tenter ça. Et là, il faut prendre. Il faut essayer de prendre. Bah, il peut prendre dans le sens où il y a deux jaunes qui sont tout en haut là-bas collés à la bande. Oui, il faut prendre sa chance. Oui, oui, tout à fait. Ou alors il va tenter. La grande bande. Les deux jaunes au fond collés. Bah après, elle passe. Les deux passent. Les deux passent, mais bon, après, faut être bien placé dessus, quoi. Ah ouais, en bande avant, ça passerait, ça. Ah oui, peut-être. Pas de beaucoup, en tout cas. Et la rouge ne colle pas. Ça, c'est un bon. S'il touche bien, un peu fort. Ouais, c'était quand même très bien joué. Ouais, un peu fort, parce que si je jouais moins fort. Ah oui, alors c'est pareil, un peu fort, oui, non, parce que là, il avait l'air passe noire. Mais moins fort, il prenait la poche. Mais peut-être pour rien, parce que peut-être qu'il aurait sur l'autre poche la jaune. Donc, en tout cas, il a tenté sa chance. Ça a le mérite de maintenir la pression. Sur Romu, le fait qu'il ait bien touché sa rouge et qu'elle est quand même elle est placée devant la poche, même si elle n'est pas tout à fait en poche. Ouais, ça c'est très belle bille. J'allais dire un gros mot presque, mais il fallait la jouer celle-là. Ah, fallait oser. Ouais, il fallait avoir les coronets, hein, pour être poli, on va dire. Pour, si t'es fébrile, tu l'as jamais, tu l'attends. Moi. Si elle a le bras qui trempe, t'as 10 cm à côté. Si t'es fébrile, tu vois 4 poches en face. Donc bon. Les 4 poches, c'est pas tes copains, c'est vraiment les poches du billard. Ah, et puis c'est vrai que sur ces bières-là, elles sont un peu raides. Hein. Faut être bien dedans. Ils sont très sélectifs. Ouais. Voilà. Mais très juste. Ah, bien joué. C'est très très parfait. Bien, c'est bien dosé. Autant sur l'impact, c'était assez facile à prédire. Autant sur le dosage, c'est bien dosé. C'est ce qui conditionne la suite. Hein. Trop souvent, les joueurs ont tendance à dire oh, ça dégage, ça se passe bien, tout ça. Et ils oublient peut-être un peu trop des fois la qualité de dosage qu'il peut y avoir dans certains dégagements pour bien orienter les billes qu'on pousse. Quoi. Donc là, il va être loin, il n'a pas beaucoup d'angle. Il aurait dû se donner un peu plus d'angle. J'aurais tendance à la jouer moins fort en poche pour avoir un angle sortant pour redescendre naturellement. Je pense que c'est ce qu'il voulait. Là, il va être obligé de forcer un peu le coup. Ouais. Et puis derrière, il aura pas une remplace facile de toute façon. Il faut arriver à... Oh, c'est pas facile. C'est pas facile. Il taperait trop là. Taperait trop pour remonter. Ouh, c'est compliqué ça. Ouais, pas trop de bandes. Je sais pas trop, il a complètement raté son rétro. Je pense que ouais, son bras est pas parti comme il faut, donc avec la blanche a pas suivi comme il voulait. Le problème c'est qu'avec... On est d'accord, ouais, c'est avec la force qu'il a mis, le problème c'est que sa blanche a sauté. Donc ouais, forcément le rétro ne prend pas. Bon là il peut toujours jouer, a priori celle qui est la plus à gauche là, je pense qu'il peut la jouer. Pour la tomber tu crois? C'est pas évident. Ah. Ouais, il va faire un coup d'attente, je pense, là-dessus. Oui, je vois pas. Il peut facilement se toucher quand même. Disons que si elle passe, ça peut lui donner la ferme. Si elle ne passe pas, il peut prendre la poche. Ouais, à condition de pas accrocher à l'or en passant, quoi. Bon, a priori, il partirait sur un coup de défense, le coup d'attente. Alors, il se loupe pas, je crois pas. Il se loupe pas, mais ça suffit. Et il place sa jaune. Superbement bien, d'ailleurs. Ah, c'est très bien joué. Alors là, la bande inverse, peut-être, c'est jouable. Peut-être. Hein. Je pense qu'elle est jouable. Elle est sans doute jouable. Je pense qu'elle est jouable. Par contre, elle est jouable, mais la blanche va partir. Quoi. Après, la maîtrise de blanche, ouais, c'est plus compliqué. Bah là-dessus, la maîtrise de blanche, je pense qu'elle n'existe pas trop. Hein. Enfin, elle existe à travers le dosage, mais il pourra jamais l'arrêter avant pour pouvoir jouer la noire. Ou alors elle va être dure, sa noire. Hein. Enfin, j'en sais pas, je sais pas trop. Mais, Ah, c'est l'autre solution, hein, c'est de faire bande avant, voire deux bandes avant s'il peut prendre. Il va toucher, mais. Ah, il touche, mais. Il va tomber, mais. Bravo.
Bravo, Cédric. Bravo. Bravo, bravo. C'était l'autre choix, mais. Et alors, la bande, il y a bien dosé. Alors, je pense. Je sais pas si avec la caméra, mais je pense qu'elle doit passer direct. Je me trompe peut-être, mais. Je pense qu'elle passe aussi. Je pense qu'elle passe milieu. Ouais, il regarde la bande, je sais pas. Bah, non, il s'applique sur sa visée, je pense, mais elle doit passer milieu direct. Ah, il a été gêné par les 30, les 30 secondes. Surtout au moment où il se pose. Ah non, du coup, elle passait sans doute pas si je la joue en bande. Ouais, mais tu sais que direct, même si elle passait, t'étais pas très pratique. Elle était compliquée. Pas très facile à jouer. Non, non, mais. Si elle passait direct, c'est sans doute plus simple de la tenter direct qu'en bande. Si elle passait, mais je pense que si la tente en bande, c'est qu'elle devait pas passer. Du coup, une occasion pour Romu de recoller à 1-1. Rappel en deux bandes. Bien dosé. Oui, parce qu'il a une bonne dominante là, il sait savoir descendre tout seul. Ça. Faut juste être souple. Ça faut pas remonter trop droit. Je pense qu'il va ressortir comme il faut. Pour moi, il ressort côté droit du billard. Pour moi, c'est naturel. Ouais, pour moi, c'est naturel. Il a juste à laisser partir le droit de nature. Hein, parce que tu joues ta bille et ça sera fait tout seul. Ça. Alors là, je vois pas, mais ouais, c'est suffisant. Il est très bien. C'est suffisant. J'ai l'impression que ça roule pas tant que ça finalement. Non, c'est l'impression que ça donne. Mmh. Maintenant. J'ai l'impression que la manche s'arrête vite. Est-ce que c'est la caméra qui fausse un peu la roule, je sais pas. Mais... Alors que hier on trouvait tous que les tables roulaient. Oula. Elle était large. Elle était large. Il y a de la maîtrise. Il y a de la maîtrise blanche, donc un partout. Bah, un peu haché les parties là quand même. Un peu haché parce que. Des petits ratés de part et d'autre pour l'instant. Cédric sur un chevalet tout à l'heure. Romu, la première sur le chevalet aussi, ouais, sur une replace chevalet. Ouais. Voilà, c'est un match de chevalet aujourd'hui et pour l'instant ils sont nuls en chevalet. On va voir s'ils progressent au cours du match. Donc les gars, vous êtes nuls en chevalet, faites gaffe. Faites gaffe à vos replaces. Il n'est pas trop tard, un partout. Ça, c'est loin d'être fini. Cédric qui se prépare pour casser. Alors au classement général, ça nous donne quoi tout ça? Est-ce qu'on aura une idée du classement général? Alors moi j'en ai une. Bon, Patrice est là, numéro 1, bien évidemment. Avec 4 tours à gagner, je pense que là, il n'y a pas photo. Je pense que, parce que j'avais regardé le classement avant de venir, Romu était 3e juste derrière Stéphane Dumont. C'est ça. Oui. Romu faisant finale aujourd'hui et Stéphane oui, il perd 8e, c'est ça. Je pense que Romu va lui passer devant... peu importe le résultat de ce match-là, parce que je crois qu'il y avait très peu de points d'écart. Il pourrait avoir une trentaine de points d'avance désormais. En fait, du coup, il reste 2 tournois régionaux, hein, le mois prochain, championnat. Et il en reste 2. Ouais. Et puis le week-end du 8 mai à Roscoff. Hein, à Roscoff, et j'en profite pour dire que Roscoff, au mois d'octobre, accueille une étape de l'IPA World Series Simonis, qui nous permettront d'avoir la présence de 4 pros britanniques hein, qui se sont qualifiés il y a 10 jours maintenant, le week-end dernier. Alors je ne me souviens plus des 4 noms, je sais qu'il y a Liam Dunster qui a été champion du monde 2016 Black Bull. Enfin il y a 4 jolis clients. Des petits joueurs, voilà. donc ce sera aussi l'occasion d'organiser des qualifications pour un tournoi open qui sera organisé pendant le même week-end et qui permettra donc aux Bretons et aux Français qui veulent y participer de venir se confronter à ces meilleurs joueurs. Il y aura également une compétition par équipe avec 4 équipes représentées, donc logiquement on devrait retrouver l'équipe de Bretagne qui a été présente en Norvège au mois de décembre et qui va être renouvelée, donc une sélection aura lieu également là, comme on l'a fait pour le mois de décembre. Et donc l'équipe Pro LPA qui sera composée donc de 5 joueurs, il y a les 4 joueurs qualifiés plus un 5e dont on ne connaît pas le nom. Et puis nous allons y travailler, espérons pouvoir accueillir la Norvège qui nous a accueillis au mois de décembre, donc on a vraiment très envie de leur renvoyer l'ascenseur, ce qui serait la moindre des choses. J'en profite pour passer un grand bonjour à toute l'équipe de Norvège et surtout à Yvan Crène qui est vraiment un gars en or,
qui fait des choses très bien, qui a une implication sans limite, et c'est avec des gars comme lui qu'on fait avancer les choses. Et vraiment, c'est quelqu'un que je connais encore peu, mais depuis un an et demi, je le connais maintenant. Et c'est une belle personne, voilà. Vraiment une belle personne. Donc Yvan, merci pour tout ce que tu fais, pour ton pays, et puis pour les petits clins d'œil qu'on se passe, et ça fait vraiment plaisir de bosser avec toi. Et puis une quatrième équipe qui reste à définir, donc on en parle. Il y a deux pays, je ne veux pas annoncer parce qu'il n'y a pas de certitude encore, mais il y a deux pays possibles pour l'instant. Il y aura une quatrième nation à coup sûr sur le championnat par équipe qui sera présentée. Alors je dis une quatrième nation par abus de langage, puisque la Bretagne n'est pas une nation, hein, même si chez nous... Si, quand même, on peut le dire. Voilà pour la petite parenthèse IPA, donc à suivre au mois d'octobre, week-end du 15 octobre à Roscoff. Ça promet un beau week-end billard alors. Ça promet un week-end où ça vaut la peine d'aller voir ce qui s'y passe. Oui. Je pense. Et pour avoir été en Norvège au mois de décembre, c'est fort d'enseignement de voir la qualité de jeu des meilleurs pros qui trouvent toujours des solutions. C'est ça qui est c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. On se demande où ils vont les chercher. Ils voient des choses qu'on voit pas. C'est peut-être ce qui fait leur force par brand. Ils savent les faire aussi. C'est un métier. Voilà, donc, Cédric ayant raté, il s'est dit je vais quand même mettre en position de chevalet. Ouais, alors... Cédric qui avait une belle table rouge au tout départ, qui n'a pas réussi à gérer ces deux rouges qui étaient au milieu de table, mais qui étaient un peu gênantes. Ça paraissait pas, mais il fallait bien se placer pour pouvoir les jouer en poche du fond. Et puis Romu qui a une belle table derrière. Et du coup, Romu a une belle table derrière. Ah, il y a une bille, sa petite bande en bas là, quoi. Okay, on est en train de faire attention à celle-ci, la petite jaune au milieu de bande du bas là. Attention à la replace. S'il se met bien sur la jaune qui est derrière la noire, avec le bon angle. Et un tout petit peu court. Il est un peu court, mais du coup, il va peut-être prendre l'option de la décrocher. Il a des rappels au milieu. Très bien joué. Voilà, très bien, bravo. Très, très bien joué. Là, désormais, il n'y a plus de difficulté pour lui. À noter aussi que c'est la première finale où on ne trouve pas Patrice Célin. Et oui, Patrice Célin qui a quand même commis un exploit sur ce début de saison, hein, extraordinaire. Bah, 4 finales gagnées sur 4 TR. Oui, et un peu sans compter ça, le TN de Cholet. C'est ça. Et le vétéran de Cholet. Le TN et le vétéran. Donc 6 compétitions successives sans défaite. C'est incroyable, honnêtement. Et c'est Dimitri Vivier qui l'a sorti sur son doigt. Voilà, qui l'a sorti en 8e de finale. Donc j'en profite aussi pour passer un petit bonjour à quelqu'un qui nous regarde et que j'apprécie beaucoup. Et je sais que c'est le cas aussi de Stouff. Donc un gros bisou à Frédéric Moreau qui nous regarde en direct de chez lui. Coucou Fred. Salut Fred. Les amoureux du bière sont toujours présents. Bien joué, il avait deux solutions, c'était de faire ce qu'il vient de faire ou de claquer un peu pour rejouer l'habit qui va jouer dans la même poche. Les deux options étaient réalisables. Alors je pense que là il faut qu'il tape un petit rétro bande pour voilà. Noir, je pense qu'il va être bien après. Pas trop loin sur la blanche, moi je la mettrais entre le rétro et le penby, voilà, ouais. Il est bien là. Il est parfait. Parfaitement dosé. Il est parfait. Bien dosé. Alors moi je disais ça pas trop bas, c'était juste pour une histoire de trajectoire. Hein. Ah, il est un petit peu d'angle. Enfin bon, voilà quoi. Quand on est comme ça, on est content d'avoir un petit peu d'angle. Pas oui, mal. Surtout que c'est choisi, c'est pas subi. Il n'y a pas de problème. Bravo, Romuald. Donc voilà, donc Romuald prend la main sur le match. Enfin, il mène pour la première fois son match, donc 2-1. Je pense qu'il commence. Je pense qu'à la première partie, il était un peu tendu. Là, il vient de faire une ferme. Bon, elle était largement jouable, mais du coup, il l'a amené jusqu'au bout proprement. Je pense qu'il va se lâcher un petit peu et, ouais, et puis il peut très 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 bien jouer maintenant.
La finale a eu lieu hier soir. C'est Stéphane Defossé qui s'est imposé face à David Bozek sur le score de 4-1. Donc voilà, je rappelle les résultats, vous pouvez les consulter sur le site de la FFB, bap.ffbsportif.com, à partir du menu résultats, et vous utilisez les fils pour retrouver la compétition du 5e tournoi régional de Saint-Brice-en-Cogue, donc sur les compétitions bretonnes. Dans la catégorie féminine, la finale vient de se terminer entre Florian Niollet et Nadège Tourbatès. Je ne connais pas les scores, alors peut-être envoyer des signaux de fumée pour avoir le résultat. Et on va vous le redire tout à l'heure. Ensuite, dans la catégorie espoir. Dans la catégorie espoir, donc en finale. Donc la finale était remportée par Erwan Drapeau. Erwan Drapeau, et ouais, il n'en finit pas d'être espoir. Hein. On a l'impression que ça fait 20 ans qu'il est espoir, Erwan. Tu t'es encore espoir, toi. Il serait espoir jusqu'au bout de sa vie. Pour Erwan Drapeau, pour la petite histoire, qui a quand même 3 titres de champion de France individuel à son actif, puisqu'il a été deux fois champion de France cadet, et puis il a été champion de France N1 en 2015. Excellent la même année que Nicolas Rimbaud a remporté le championnat de France Master. Excellent joueur, personne très sympathique, et bon coéquipier d'équipe également. Je pense que tu diras pas le contraire, non. Sinon tu vas être puni. Dans la catégorie junior, à Erwan, j'ai oublié de dire contre qui il s'est imposé, je crois. Il me semble que c'est contre Baptiste Châtelet, oui, donc un excellent joueur aussi d'un excellent club de Rennes. En catégorie junior. Sans être chaud. Victoire de Nolan Douet. Il y a un club. Nolan Douet de Rennes, de Matignon, qui s'impose face à Youn Le Mouel de. Je ne sais plus, j'ai un. Ça ne me revient pas. Si ça me revient, je vous dirai. Mais là, ça ne me revient pas. Et dans la catégorie Benjamin, victoire de Damien Joly, encore et encore. Hein, Damien face à Malek Varoncini. Donc Damien Joly de l'Oudéac. Très bon joueur. Très bon joueur, très sympathique aussi. Et Malek, très bon joueur aussi. Un peu plus réservé. C'est ça. Très respectueux, très agréable aussi. Très gentil, on a des petits joueurs Benjamin bien sympathiques là, et puis qui déploient une bien belle qualité de jeu pour l'âge qu'ils ont. Je pense que ces deux-là, ils ont un bel avenir. On les retrouvera un peu plus tard. Ouais. Dans la catégorie Rennes. Ils sont dans le bon esprit et ils progressent tranquillement. Et on les voit régulièrement dans les catégories juniors aussi. Donc voilà pour ça. Et je vais envoyer des signaux de fumée pour le résultat du féminin. Pigeon. Cédric sur les jaunes. Et bien une table qui est correcte. Une difficulté, la jaune à côté de la noire. Ouais, préférence pour le jeu jaune quand même, mais la confirme, je ne sais pas, tu l'as fait quoi. La grande longueur. Hein. Bah, il vient de faire la confirme. Je m'occupais de faire les signes de fumée, c'est pour ça. Il a fait la confirme. Ça reste pas simple quand même. Non, il n'y a rien de simple. Ah, il part pas au feu. Il part sur un coup d'attente. Non, mais c'est un peu logique, ayant raté les deux fermes précédentes. Sur des jeux plus simples, c'est quand même plutôt intelligent de ne pas aller trop au charbon sur cette partie. Le problème, c'est qu'il ne s'améliore pas son jeu, du coup. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Il vient se pourrir une deuxième bille. La remue qui devrait rentrer milieu, pas plutôt a priori. Non, même pas. C'est un coup malin, ça. Ouais, il vient pourrir une jaune de plus. Je pense qu'il voulait glisser la blanche un peu plus bas. Ouais, c'est bien dans le sens où il ramène la noire sur sa jaune. Oui, et puis il décolle ses deux jaunes. Et puis il décolle aussi. Il a verte maintenant. Il a toujours une jaune qui vient d'être bloquée par Romu, qui a fait de la beauté. Hein. Et Romuald a un jeu toujours fermé. Hein. Il a les deux paquets de rouge de Romuald sont très embêtants là, les deux fois deux là.
C'est pour ça que j'aurais peut-être, à la place de Cédric, j'aurais peut-être essayé de prendre. J'aurais essayé de prendre la poche du fond parce que en prenant la poche du fond, il bloquait vraiment pas mal d'options à Romu là sur ses cadres rouges. C'est bien joué. Il s'améliore son. Ouais, je suis pas sûr en fait, parce que je prends ma chance. Je sais que je suis un Alec, je suis un peu débile, mais je me dis que si j'attends plus, je vais me faire fumer quoi. Ah, là, je pense que. Je joue la longueur jaune là tout de suite, la longueur jaune avec la jaune qui est juste à gauche des deux rouges. Là. Je joue celle-ci tout de suite. Alors Cédric est en Rennais, peut-être qu'il va avoir la même aspiration que moi, on va voir. Mais je prends ma chance. C'est toi qui l'as formé ? Non, non. Du tout. Ah, non. Ouh, alors, j'ai pas tout à fait les compétences pour le former. Je l'ai déformé un petit peu au cheval de France, tout ça, mais sinon, formé, non. Bon, bah. Donc voilà, donc là, il prend sa chance. Bien tombé, celle-là. Et par contre, il aurait fallu qu'il soit un peu plus long avec sa blanche, parce que là, je pense qu'il ne peut pas jouer la diagonale en haut à droite, et qu'il ne peut pas jouer la bande non plus au milieu. Donc il a rien, en fait, du coup. Du coup, il n'a pas grand-chose. Hein. Il en manque un peu. Pas beaucoup, hein, mais il en manque. Les 30 secondes annoncées. Ouais, alors dans ces situations, c'est pas simple. Là, c'est pas simple. Elle paraît très courte. 15 secondes pour réfléchir, 15 secondes pour jouer. C'est la panique. Ça paraît court après 30 secondes. Là, sur des jeux comme ça, oui, c'est court. Ouais. Ouais, mais bon, voilà, il avait pu. Ça n'a pas fonctionné comme il voulait son coup, mais. Parce que le jeu rouge, c'est un peu amélioré quand même. Bah, le jeu rouge est pas si mal que ça. Tout passe. Je vois pas l'angle qu'il a sur la première rouge, il est peut-être très fin. Pas... Là, on peut pas voir là. On peut pas savoir. Parce que la blanche a l'air très poche de la bande et la rouge doit bien être à 10 cm. Ouais, donc je pense qu'il y a bien une blanche entre la poche, entre la bande et la blanche, il y a bien la place d'une blanche, je pense quand même. Là, il pose sa main sur la table. Hein, ouais. Pas, ouais, tu vois, il y a même plus. Ouais, il peut pas y aller, ce qui me semble. Ouais, ça, c'est. Ou alors il veut pas y aller parce qu'il perd le contrôle de sa blanche. Oui, je pense qu'il peut tomber la rouge, mais je pense que derrière. Sur le contrôle blanche, il ne pouvait pas récupérer. Il ça se trouve, il tapait l'autre rouge. Mais du coup, il fait le bon coup d'attente. Il snook. Bon, voilà. Cédric, il faut toucher. Il faut toucher. Quand tu es dans cette situation-là, tu n'as plus ton destin en main. Il faut qu'il se passe quelque chose parce que là, la table est belle derrière. Tu n'as plus ton destin en main. Il faut essayer de pousser un peu ça. Tiens donc. Tiens donc. Ma foi. Bah écoute, ça tombe et en plus, il vient pourrir rouge. Donc du coup. Ouais, et je crois même qu'il peut jouer sa jaune, la première. C'est simple, mais je crois qu'il peut la jouer. Si, il peut la jouer. Et si tant est qu'elle tombe derrière, ça pourrait s'éclaircir nettement. Par contre, faut les mettre celle-là. Mais ils aiment bien les chevalets. Et il est collé bande. Ah, pas tout à fait, il est mieux que c'est mieux que d'être collé bande quand même. Ah, avec l'appui. Les 30 secondes déjà été annoncées donc. Je sais pas s'il a entendu, moi j'ai pas entendu. Mais... J'ai entendu 30 secondes. Bien joué. Excellent. Très très bien joué. Ah, il a un petit train décalé par contre. Petit train décalé. Donc la première jaune va partir plus vers le milieu du billard. Donc il a peut-être intérêt à bien envoyer pour faire un rappel blanche avec la bande du bas. Et puis envoyer la jaune plus sur le milieu de table, mais pas la faire petit bras et la coller sur la bande, quoi. Ça serait le Australisque. Je sais pas tout ce que tu en penses, toi. Il est bien décalé, quand même. Ouais, il est bien décalé. Et au moins qu'il va falloir gérer, il va falloir vraiment calculer
où va aller la jaune qui va taper la deuxième jaune pour faire le bis sur mi et ouais. Sa blanche. Elle va repartir du côté de la noire, et alors vers la rouge après la bande, je pense. Elle va vers la rouge, c'est ça. Ouais. Alors par contre, la blanche, du coup, est passée derrière la noire. Ouais, ça peut être sympa gérer ça. Ben, il faut qu'il essaye de l'accrocher en passant, hein, parce qu'il pourra pas arrêter la blanche. Donc il faut accrocher soit noir, soit jaune, mais plutôt jaune. Bah, s'il accroche la noire, pas sûr que ça lui donne... Bah c'est ça, vaut mieux accrocher jaune, mais il faut l'accrocher comme il faut, quoi. Faut que ça se mette bien, comme on dit, quoi. C'est pas évident. À moins qu'il puisse jouer les deux jaunes dans le même trou, là. Je vois pas si la rouge, en fait, empêche... J'ai jeté un œil tout à l'heure, pour moi, non, mais je suis pas sûr. Je pense pas. Ah, il regarde, il a regardé. Est-ce que ça, ce serait vraiment le top, c'est que les deux puissent passer en même trou, et à ce moment-là... Ouais, ce serait le top. On les joue avec de l'effet, donc c'est qu'après ça... Ouais. Non, c'était compliqué. Alors, la rouge, il va falloir qu'il fasse un décalage à un moment ou à l'autre. De toute façon, là-haut. Ah, il est pas facile son jeu. Non, là, pas un jeu simple, mais c'est... il y a possibilité d'aller au bout. On peut aussi aller chercher un snoop béton derrière ces deux rouges. Alors, est-ce qu'il a l'angle? Est-ce qu'il s'est donné l'angle? Ouais, je sais pas, il va aller chercher. Ouais, je pense que. Il va y aller tout de suite. Ouais, il faut y aller tout de suite parce qu'il faut garder une des deux rouges côte à côte, il faut garder une des deux pour la sortie de dégage. Si les deux rouges se mettent mal, qu'il est au moins 5. Et il va en rétro. Ah, elle est bien là. Elle tombe pas. Ça c'est. La petite russe. Petite réussite. Ouais. C'est bien fait. Ah, s'il tombe, il est largué. Hein, donc, ça aurait pas été payé quand même. C'est le coup de réussite quoi. La tombée aurait été aussi un peu poissard dans le principe. C'est la tombée qui aurait été poissard. Ouais. Pour moi, ça le voit plus comme ça l'appel. Quoi. Parce qu'il est dans l'initiative et ça doit payer l'initiative. Ouais, mais justement, ce que je dis, c'est la réussite, faut la provoquer quoi. Ouais. Oui, oui, oui. Il y a la chance et la réussite. C'est deux choses différentes quoi. Ah oui, on est bien d'accord. Moi j'ai de la chance, c'est parfaitement lui, la réussite. Parfaitement maîtrisé. Alors, il a un petit peu beaucoup d'angle. Ouais. Un peu trop près. S'il la joue, sa blanche. Bah sa blanche va faire deux bandes, a priori. Et s'il joue l'autre, je sais pas ce qu'il a sur l'autre en fait, comme dominante. Sachant que la rouge qui est la plus basse. Donc il joue l'autre, il va taper rétro pour revenir se placer un petit peu mieux. De l'autre côté, d'accord, ok, c'est pas mal. Il manque un poil d'angle. Hein, je pense qu'il est juste bien comme il faut. Attention à la visée, là. Il n'a pas toute la poche. Ah, c'est bien joué. C'est bien, ça. C'est bien. Là, t'es sur la blanche, mon frère, quand même. Pas mal. Ouais. Idéalement, un tout petit peu moins, ça aurait été mieux. S'il pose, il verra la noire. Ah, bah, oh, c'est bravo, ça. Bravo, oh, là, bravo, Romain. Très belle bille. Alors, celle-ci est magnifique. Hein. Très belle bille. Celle-ci est magnifique parce que sur cette table-là, ça c'est compliqué. Et ça montre que ça peut rentrer quand c'est visé juste. Merci pour cette démonstration. Ouais, personnellement, j'aurais juste cherché à, ah, j'aurais posé, ouais. À poser, voir la noire. Il faut avoir les colonnes. Romu, il a cette capacité en termes de maîtrise de blanche. Techniquement, il est vraiment fort. Bravo. Et Romuald, donc, il mène par 3 manches à 1. Oui, 3 à 1. Donc, Cédric, là, il va falloir se réveiller.
Elle est vraiment. Cette bille, elle est. Faut oser la jouer quand même. Hein. Tu sais que tu la rates, tu donnes la partie quand même. Hein. Donc il faut oser la faire. Victoire de Nadège, donc sur le score de 3 à 1. Donc bah, bravo à Nadège. Hein. Je pense que Florian reste leader du classement régional. Il me semble qu'elle avait un petit confort, un petit peu d'avance. Regardez. Bon, on va faire les classements en maintenant quand même. Je pourrais. Mais... Tu peux pas rester inactif, toi, Jean-Luc. T'es obligé de faire un truc. Alors, mais ce qu'il faut maintenant, n'est plus à faire après. Non, c'est Antoine qui fait ça, il fait ça très bien. Donc, lui laisse le plaisir de s'approprier le logiciel aussi. C'est formateur. Et puis, il nous fait remonter les petites anomalies qui nous restent à corriger. C'est très bien comme ça. Un petit bonjour à Gaëtan le colletteur qui est peut-être en train de regarder la finale en buvant son café. Que je remercie moi beaucoup pour l'aide qu'il nous a apportée sur le logiciel en essuyant les plâtres avec la Ligue des Pays de la Loire. C'est grâce à des personnes comme ça qu'on a aussi avancé, qu'aujourd'hui on tourne normalement. Et hier on a bien maîtrisé les compétitions, on a plutôt pas mal maîtrisé les horaires compte tenu du volume de joueurs qu'il y avait, du retard sur les TSA, mais c'était plus que prévisible, c'était que je n'avais même pas compris pourquoi on a convoqué à 15h. Fallait pas espérer pouvoir lancer avant 17h vu qu'on avait convoqué les TSB à 11h30. Donc on en reparlera en off, mais je pense que en fonction du nombre d'inscrits du tournoi, tu peux quand même mettre tout à fait les mêmes heures de convocation. Et peu importe, on a fini les compétitions à minuit et demi, je pense que ça en fait rêver pas mal. Donc c'est très honorable parce que tout le monde a quand même passé une nuit à peu près normale avant de rattaquer les compétitions par équipe ce matin. À 11h, enfin, en tout cas pour les DN3, c'était 11h30. Oui, puisque. Alors on va laisser Cédric jouer là, donc il est sur un jaune. Ah, il n'a pas une fois facile. Il part. Il mouille, hein, il mouille le maillot. Hein. Il mouille le maillot. Ah, il tente. Ouais, c'est ça. Tenter n'est pas gagné. Non. Mais en tout cas, il prend sa chance. Enfin, j'ai envie de dire, tendez n'est pas gagné, mais un petit clin d'œil aux loulous, les loulous qui vont se reconnaître s'ils me regardent aussi. C'est en même temps pas de bras, pas de chocolat. Quoi. Voilà, ça peut faire sourire certains. Mais, moi, ça me fait sourire. Alors, comment ça va se passer s'il tombe? Je m'en doutais un petit peu, ça allait dans les rouges. Ouais. Et puis il y avait quand même un paquet de rouges, donc il fallait ressortir, ouais. C'était pas simple. Il fallait vraiment l'envoyer comme un sauvage. Donc, Cédric n'étant pas un sauvage, c'était plus compliqué. Je pense qu'il est bien slippé là. Ah, et puis encore une fois, il se met dans la difficulté tout seul. Bah ouais, il avait une table compliquée, il a choisi d'y aller, de tenter. Dans ces situations de match où tu es mené 3-1, tu as deux options. C'est soit tu t'accroches en jouant tactique, en pourrissant le jeu, soit tu te dis je tente le tout pour le tout et j'essaie de me faire plaisir. Quoi. Déjà au moins il donne pas de visite déjà. Maintenant Rommel n'a pas une table simple. On a deux loulous qui nous regardent en direct. Donc un petit coucou à Jérôme et à Nicolas Rimbaud qui nous regarde sur le direct. Il doit se marrer, je le connais. Et Jérôme Desrosiers, puisque tu es là, merci pour ton soutien, parce que tu sais que j'ai besoin de toi par moment et tu le fais bien. Et on a fait les directs, on a utilisé le logiciel tout le week-end avec la diffusion des scores sur internet au fil de la journée hier. Donc Jérôme, voilà, on avance. Et on a même corrigé un bug avec Vincent Leroux hier. Voilà, il avait envie de faire un peu d'algo, donc... C'était chaud. Alors, c'est le coup important. Je pense que c'est le coup important. Il faut sortir une rouge. Au moins une. Une seule, ça peut suffire. Ah, il est bien. Ah, il a... Alors, il voulait attaquer quand même, non? A priori, oui. Je pense. Alors, je sais pas. J'ai c'est du mal pas à voir sûr. Comment foutu les deux rouges derrière la jaune, là. Il y en a deux, là. Je sais pas ce qu'il peut faire avec ces billes-là.
Ah, là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose. Dans l'immédiat, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Ah, puis Cédric, il est vraiment là, du coup, là, il est à jeu vraiment compliqué. Bah, disons que la seule bille qui peut jouer dans l'instant, ça libère tout le jeu de l'adversaire. C'est celle qui peut jouer. Et puis un train sur 3 billes, c'est tranquille. Train sur 3 billes, réussi, ça gagne. C'est vrai. Faut le passer aussi. Ah ouais, un détail. Mener 3-1, t'es en finale. Voilà, bah écoute. Je sais pas s'il a d'autres choix que de tenter ça quand même. Comme on dit, tu les prends, tu les mets sur la table. Hein. Ouais, voilà. Après, il a pas le choix. Hein. Faut. Ouais. Mais c'est joué. C'est joué. Il a pas de regret à avoir là-dessus. Maintenant, la noire, est-ce qu'elle passe c'est... La noire, oui, elle passe. De toute manière, elle passe. Elle passe milieu de toute façon, mais je veux dire, en bas à gauche, je me demande si elle passe pas d'ailleurs. Bah, elle passe avec un petit banc d'appui, je pense qu'elle passe tout seul. Avec l'appui de la jaune. Peut-être même sans toucher la jaune. Mais En tout cas, la remuelle est bien là. Ah, le banc d'appui n'est pas évident que ça tombe la noire. S'il fait le banc d'appui, non, s'il prend même l'appui de la jaune. Donc il vient faire l'appui de la première jaune. La première. Du coup, elle va longer bande, appui jaune encore. Et... Oui, effectivement. Ça laisse une marge. Quoi. Très belle bille de Rommel. Ouais, il devrait aller au bout de cette table. Ouais, c'est bien, je ressors bien. On va peut-être pas jouer dans ce sens-là, mais je ressors bien. J'aurais peut-être poussé la noire un peu en tapant jaune pour placer sur le rouge, mais bon, c'était plus aléatoire mon truc. De toute façon, c'est pas moi qui vais lui dire comment faire. Hein. il va peut-être y aller maintenant, là, justement. Regarde. Alex, débloquer la jaune. Ouais. Le risque dans ces cas-là, c'est d'être collé sur la ligne et puis de pas voir la tienne. Quoi. Ah, c'est le risque, mais bon. C'est le risque, mais là, c'était... A priori, il n'y avait pas trop de risque sur ce coup-là. Moi, sur ce que j'aurais fait avant, il y avait plus de risque en le faisant quand il l'a fait. Donc, il a fait un meilleur choix. Il prend sa chance, hein, c'est... Ça s'est bien envoyé aussi. C'est très bien joué. Il faut les envoyer, c'est cool. Ça ressort pas tout seul. Bien joué ça. Eh ben, il a l'angle qu'il faut pour ressortir, pour redescendre. Donc logiquement, il devrait la jouer dans la poche qu'il a débloquée en bas à droite. Parfait. Il est parfait. C'est joli, ça. Ça veut pas faire mieux. C'est joli, ça. C'est maîtrisé. Bon, il est pas tout à fait droit, mais... C'est vrai qu'il aurait pu faire. Il a été un peu fini, en vrai. Il est fainéant. Elle est très bonne. Et à part la première partie, depuis toutes les attaques, quand il part l'attaque, il va au bout, il n'a pas raté une bille. Donc 4-1 pour Romuald et ça se complique parce que c'est Cédric, là, je pense que là, il va commencer à se demander comment il peut reprendre le dessus sur un truc pareil. Hein. Et Romuald, là, il lâche le bras maintenant. Hein. Donc le stress est derrière. Après, il faut finir. Faut pas se laisser envahir non plus par un coup de chaud en fin de match. Ça peut toujours arriver. Oh oui. Ça peut toujours arriver à notre second du classement régional Black Ball de chez nous en Bretagne. Là. Ça me fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Ça me fait plaisir. Pour Cédric aussi, bien sûr. Ah bah Cédric démérite pas. Le match n'est pas fini, il y a 4-1. On sait. Retournement de situation, ça c'est déjà vu. Ça c'est déjà vu, ouais. Il suffit d'en rater deux et après c'est 4-3. Ouais. Ouais, il va falloir que je prenne des grosses casses. Grosse casse. Je comprends jamais pourquoi les gars en finale ils font des belles casses et que moi je fais toujours des casses pourries. Hein. Alors il a. Je pense qu'ils sont en finale. Ça va être ça. Pas toi. Le billard de la finale permet de faire des belles casses. C'est ça. En fait, c'est d'être ça. Ou plutôt, c'est pour ça qu'ils sont en finale. Parce qu'ils font des grosses casses.
Il y a un peu de travail quand même, même si la casse est belle. Oui, parce qu'il y a une rouge derrière la jaune en bas à droite déjà. Là. Bon, il y a une... la bille aux poches de milieu peut permettre de venir la chercher assez facilement. Oui, il y a une rouge, voir comment ça se passe derrière. Bon, il devrait y aller tout de suite là, je pense. Bah, si ce coup-là se passe bien derrière et qu'il peut jouer la rouge milieu à gauche, oui, là, qui est oui, un peu oui, délicate, parce que la rouge elle passe au milieu. Qui est un peu délicate quand même. Après sur ce qui restera, normalement, il n'y a pas de difficulté. Puis on le sait appliquer, donc il ne va pas faire ce coup-là, comment ça va, qui va être déterminant, je pense. Ah, il va pousser jouer le rouge. Les chances qu'il pousse jouer. Voilà, comme je l'avais dit, il a poussé rouge. Ah, c'est dommage, il se la colle à la bande. Il est plus jeune, lui, là. Ah, mais je pense qu'il avait fait le choix d'entrer, de la jouer doucement, juste de les décaler pour qu'elle passe derrière, sachant qu'il avait une bille de rappel au milieu. Alors, quel... Alors là, voilà, c'est là. On commence à avoir des décalages à la noire, donc il peut jouer milieu à gauche sans trop d'angle. Et bah là, à ce moment-là, tu sais qu'il faut, s'il joue la milieu gauche, il redescend. Milieu gauche, milieu gauche. Il peut jouer tout de suite celle qui est tout en bas, rejouer le milieu pour finir milieu après à droite. Alors en bas, est-ce que la rouge est comme l'avant? J'ai l'impression que. Moi, je vois bien descendre tout de suite là près de l'avant. Oui, oui, je pense que c'est ça qu'il veut faire. Alors, plus du tout de musique, hein, on a plus rien pour masquer le voir. Là, du coup, j'ai l'impression qu'il est un peu entre deux. Il est un peu entre les deux. Il peut jouer le milieu, mais c'est compliqué derrière pour se replacer. Et il peut jouer en bas. Il faut voir quel angle il a. Est-ce qu'il a un petit peu d'angle pour bien se placer sur la rouge du milieu, se mettre le bon angle pour revenir sur la rouge qui est sur la petite bande. Ouais, après, oui, donc il jouera le milieu et puis redescendre en rétro. Ouais. J'aurais peut-être pu se couler, donc il remonterait lui. Est-ce qu'il a la dominante? Ah, je pense qu'il l'a. Il l'a. Alors. Donc il a tout obligé de la jouer la rouge. Il est coulé devant avec la blanche. Il ne peut pas faire les tours. Ah, le souci, c'est qu'il va aller vers la jaune. Il va aller vers la jaune. Pour jouer la rouge. Ouais, je sais pas là. Il faut aller vers la jaune. Il n'y a pas le choix. Il va jouer la rouge de l'autre côté. La jaune ne voit pas autre chose. Les 30 secondes annoncées. Là, finalement, s'il peut venir se poser sur la jaune, et après, oui, c'est, bon, après c'est une visée. Hein. C'est encore mieux. Je prends pas. Pendant ça passe ou ça passe pas? Ou c'est pas passé? Si ça passe, c'est pas de beaucoup. Encore une expression pour Nicolas Rabot, si ça passe, c'est pas de beaucoup. Alors là, il y a quand même pas mal de réussite. Ça touche, mais pas de beaucoup. Pas mal de réussite sur ce coup-là, mais comme on disait tout à l'heure, quand on va la provoquer, ça sourit. Ah, super. Tu sais que la dernière fois, au championnat d'Europe FVP, j'ai entendu ça touche, mais pas de beaucoup. Oui, ça touche, mais pas de beaucoup. Voilà. J'entends celle-ci aussi. C'est pas mal aussi. J'aime beaucoup ces collecteurs, celle-ci. On l'a entendu plusieurs fois, celle-là était marrante. On la garde pour les champions du monde, de leur barre. Une noire. C'est la noire pour 5-1. Pas forcément, elle est pas donnée non plus, hein, pour plier le match. Et il la joue au fond. Oh, bravo. Très belle vie. Bravo à Romain Dubou. Belle victoire, 5-1 en finale. Victoire 5-1 donc de Morgan. J'ai tout, tout appris pour cette finale. Tu lui as tout appris. Très bien. Eh bien, il va être bien content parce que bien souvent, malheureusement, il nous avait confié qu'il ratait ses finales parce qu'il n'arrivait pas à se libérer. Et le début a été un peu compliqué. Le début, oui. C'est logique aussi, c'est vrai que le temps que le petit stress de la finale passe et puis après il a lâché les chevaux. Et il a très très bien joué. Et puis je pense que les erreurs de Cédric ont aidé. L'ont un peu aidé aussi. Ouais. Voilà. Du coup, il a pu faire des ramasses en déroulant un petit peu et rentrer un peu plus devant. Moi, je suis très content de cette finale. Déçu pour Cédric, content pour Romuald. C'est tous les deux des gars valables. Donc,
ça fait plaisir de les avoir vus jouer avec une finale inédite. Hein. Ouais. Même si c'est la deuxième pour Romain cette année, finale inédite et content pour le deux. Bah, c'était donc la cinquième étape. On va accueillir finalistes et vainqueurs là, pour avoir leur retour, leur ressenti. Et puis voilà, après le prochain rendez-vous pour nous, ce sera le week-end du... C'est une excellente question que je vous pose à Chantepie, là. Mais c'est mais ça doit être le 15 avril par là. J'ai un doute sur la date exacte. Ça doit être. Je peux la retrouver. Hein. J'ai un petit doute, je vais vous retrouver ça tout de suite. Donc, prochain événement. Ah, je n'ai plus de connexion internet, c'est pas de bol. Bah, écoute, si j'arrive à en avoir un petit peu, je vais t'aider. Voilà, donc moi je vous remercie de m'avoir accompagné. Je vais interviewer nos finalistes. Et puis on se revoit peut-être la prochaine fois, maintenant que tu as fait des commentaires. Merci à toi, Jean-Michel, merci Aurélien. Ouais, c'est pour une première, hein. Voilà, oui, il en fallait une. Pour nous deux aussi, donc Aurélien c'est ta deuxième, mais première tous les deux. Et puis ben, je vais vous demander de céder la place à notre ami Romuald qui va nous rejoindre pour quelques commentaires. On leur laisse la place. Merci Jean-Mi. Merci Jean-Michel. Merci à tous. Et bisous à Jérôme qui va être là aujourd'hui. Salut. Installe-toi. Équipe-toi. Tape dans la main. Normal. Alors, tes sensations. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça y est, tu l'as gagné ta finale. Ça c'est fait. Mais encore une fois, je démarre en stress, je démarre, j'ai la main qui bouge, je vois le bout de ma flèche qui bouge, il faut que je bloque tout ça, une entrée encore très compliquée. Ouais. Est-ce que le début de match en demi-temps de Cédric t'a aidé à te mettre dedans? Quand il rate, tu fermes et tu te laisses faire une ramasse? Oui, bien sûr, je dois être mené 2-0 sur le match, je dois être mené 2-0, il me laisse quand même jouer un petit peu. Ensuite, c'est lui qui part en premier généralement aux attaques et il me relaisse jouer et petit à petit le bras se raffermit, devient plus souple, devient plus propre et puis bon ben voilà quoi. À 2-1, on te sent beaucoup plus dans ton match, beaucoup plus tranquille quoi. Ouais, je tremble moins. Je tremble moins, donc à partir du moment où je commence à moins trembler, les visées me paraissent plus simples et je commence à rentrer dans le match. Et c'est vrai que là, ça devient, j'ai envie de dire, ça devient un deuxième match. Ça devient, je peux avoir confiance en moi à partir de ce moment-là. À 4-1, à 3-1, pour le 4-1, tu mets une bille magnifique là pour ta replace noire. Longée de bande, ta bille n'est pas à la bande, elle est à 2 cm de la bande, t'envoies couler sur la longueur. Ouais, mais je me trouve avant en fait, parce qu'il faut que je me place dessus avant, et je loupe ma place dessus, donc ensuite j'ai pas trop le choix que d'arriver comme ça, et c'est vrai que souvent, surtout sur des billards qui sont assez sélectifs, ça a une vilaine tendance à faire des tagadags dans la poche, et je suis vraiment content qu'elle tombe. Faut la tomber, ça. Parce qu'il faut la tomber, faut se placer sur la noire, j'ai pas le choix que de forcer un petit peu. C'est une débit qui aide à rester en confiance, c'est sûr. Le public a apprécié, t'as été applaudi sur cette bille d'ailleurs. Oui. Après, c'est difficile de savoir comment on joue. On n'a pas trop notion de la manière dont on a joué. Finale un peu hachée avec pour moi Cédric qui a été un peu trop au charbon, qui n'a pas été au bout et qui a un peu donné, qui a un peu livré des parties au début de match qui t'ont permis de prendre le devant et il n'a pas réussi. À un moment, on l'a senti un peu plus indécis. Si concrétise ses fermes, si concrétise ses fermes dès le départ, je pense que je reste dans la tremblote tout mon match. Oui, parce qu'il rate deux fermes successives sur des jeux très jouables, la deuxième et la troisième manche, il me semble. Ouais. Où il y a des jolies tables et ça va pas au bout parce que la première tu te retrouves avec un cheval est compliqué qui te fait rater parce que tu as une replace un peu longue à un moment il me semble et une autre fois tu dois te snooker aussi sur une autre tu te mets pas en position franche d'attaque tu as des toutes petites merdes et du coup tu me rends la main, c'est dommage. Je vais pas au bout de mes finales. Sensations sur le match, toi, Cédric? Du mal à finir les tables, donc. J'étais bien, mais un peu trop tendu. Pas facile.
Ouais, avec les... Gêné par les 30 secondes à un moment. Bah, sur les billes décisives pour finir les fins de table à chaque fois, ouais, un peu. Donc obligé de prendre la dernière solution, la plus abordable. Alors que ouais, bah, celle de, justement que je fais en bande la noire deuxième partie là. D'entrée je voulais la jouer doucement au milieu et du fait que 30 secondes ont été annoncées, bah, j'ai pris l'option de la faire en bande au milieu. Et on joue pas pareil, tout à fait pareil avec la règle de la minute. Mais maintenant, c'est une bonne chose aussi parce que ça permet de dynamiser un petit peu le match et de. Oui, ça évite d'avoir des coups où on attend 2 ou 3 minutes oui, parfois, oui. Comme on peut le voir pendant les compétitions. Ouais, hein, c'est... Par contre, évidemment, il y a des choses qu'on va peut-être moins bien réussir sous la pression de la minute. Que, c'est certain. Ou des cas très compliqués où une minute, c'est court pour trouver la vraie solution. C'est certain. Ouais, le joker, ce serait idéal. C'est certain. Ouais, sur certains coups, ça serait bien utile. Content quand même d'avoir atteint la finale. Content, ouais. Bonne journée hier. Une finale par an, t'en fais une deuxième cette année. C'est ça. On va essayer. Tu nous l'as fait quand? Alors à Champier, à Roscoff pour finir en beauté. Ouais, ça serait le comble. Ça serait bien. Ça te replace au classement aussi, parce que tu as fait une saison quand même en demi-teinte pour l'instant, il me semble. Ah là, pour le moment, ouais, aucun résultat. Ouais, donc c'est bien, ça replace aussi. Par rapport à l'année dernière, ça change un peu. Non, bon, on va essayer de réajuster ça. Ouais, ouais, et toi, deuxième place là? Normalement, ouais, au classement, ouais, donc ouais. Tu dois t'installer avec un petit peu d'avance sur Stéphane maintenant. Oh, il ne doit pas y avoir lourd. Ouais, une trentaine de points, j'imagine. Ouais, je sais pas où on en est, mais il ne doit pas y avoir lourd. Non, c'est sûr, il n'y a rien acquis, quoi, mais un petit peu d'avance quand même. Quoi. Après. Si je peux rester là, je vais essayer de rester là. Ouais, ouais. Bah écoutez messieurs, moi je vous remercie au nom du billard en images et puis de tous ceux qui vous ont regardé sur internet en direct hein, et qui auront le plaisir de vous revoir sur le billard en images. Donc c'était la 5e étape du championnat de Bretagne avec le billard en images. Merci Romuald, merci Cédric et merci. À bientôt à tous, rendez-vous au mois d'avril.